Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle Clio. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On garde quand même une base, mais on peut voir que sur l'extérieur, il y a pas mal de nouveautés. Je vais, comme d'habitude, vous faire le tour de la voiture à l'extérieur, à l'intérieur, vous donner toutes les caractéristiques, tous les moteurs, tout ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle Clio 2023. On pourra l'essayer dans un ou deux mois, voir les différences, mais également, il y a un nouveau moteur, un hybride 145, le E-Tech 145. La Clio, elle s'est vendue à plus de 16 millions d'exemplaires depuis 1990. Ouais, elle est née un an après moi. Moi, je suis né en 89. 16 millions de voitures, c'est énorme. 5,8 millions juste pour la France avec la Clio. C'est pour ça qu'on en voit partout. Et c'est vrai qu'en France, ben, on a quand même nos marques principales, hein, Renault, Peugeot, Citroën. Et c'est vrai que peu importe où on se trouve dans la rue, on en verra. Et la Clio, je pense qu'on peut difficilement passer une journée sans voir une Clio. Elle sera disponible en trois finitions. Il y a la New Evolution, la Techno et la Esprit Alpine. La Esprit Alpine, c'est celle que je vous présente aujourd'hui. Elle est disponible comme ça et également en grise, comme vous avez pu le voir dans l'intro que je vous remets juste ici. On va avoir des nouvelles couleurs également. Elle sera disponible en 7 couleurs. Il y aura du bleu, du blanc, du rouge, nos belles couleurs de la France, mais également du noir, du gris, l'orange et un nouveau gris Rafale. On verra ce que ça donne sur les essais, qu'on les verra tout en vrai. Mais j'aime beaucoup ce bleu. Ce bleu est très joli, ça lui va très bien avec le petit badge Esprit Alpine. Au niveau de la taille, elle fait 4,05 m de long, 1,99 m de large et 1,44 m de haut. C'est des dimensions qui n'ont absolument pas bougé comparées à l'ancienne version. Donc, les nouveautés, les principales nouveautés, c'est ce bouclier avant ici, ce bouclier à l'arrière. Toute cette partie ici, donc que l'on voit vraiment très rapidement avec cette nouvelle signature lumineuse en losange qu'on avait vu apparaître sur le Scénic Grand Vision que je vous avais présenté avec Gilles Vidal. C'est plutôt joli et ça, ce sera disponible dès la première finition qui sera la New Evolution. Au niveau des motorisations, il va y avoir de l'essence, du diesel, de l'essence plus GPL et l'hybride que je vous présente aujourd'hui. Au niveau de l'essence, on va avoir le SE 65, le tout petit moteur, le TCE 90 chevaux, donc ces deux-là seront des 3 cylindres, 1 litre. On aura le DCI 100 chevaux, donc le diesel. On aura le TCE 100 GPL, donc 100 chevaux en GPL. Et c'est le même qu'il y a également dans le Dacia Duster ou les Sandero. C'est le moteur partagé avec Dacia. Donc normalement, il me semble que sur ces versions, c'est 90 chevaux en essence et 100 chevaux en GPL. Et la version hybride, donc celle-ci, la nouvelle, l'ancienne, c'était 140 chevaux en hybride, le E-Tech. Et là, c'est le nouvel avec le moteur 4 cylindres, 1,6 litre, qui fait 94 chevaux en essence. Et le reste qui est complété par le moteur électrique. Avec cette version hybride, Renault annonce jusqu'à 900 km d'autonomie, ce qui est plutôt intéressant. La batterie, c'est une petite batterie de stockage tampon de 1,2 kWh, comme on retrouve sur quasiment toutes les voitures hybrides de nos jours. Bon allez, je vous la montre sur l'avant, voir un petit peu ces nouveaux détails. Donc, comme je vous disais, il y a sur l'extérieur pas tant de choses que ça qui changent. Mais surtout, c'est toute cette partie là, tout ce qu'il y a en dessous du capot. Donc, nouveau feu full LED et cette signature en losange. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on la voit de face, mais on la voit également de côté. Ça, c'est très rare parce que souvent, les signatures lumineuses qu'on voit lorsqu'on l'a dans le rétroviseur, mais là également, lorsqu'elle va sortir ou autre, on va voir vraiment la longueur du feu ici et également cette signature lumineuse qui reste allumée de jour. C'est très sympa, ça marque vraiment l'identité, un petit peu comme Peugeot l'a fait avec ses crocs. N'importe quel Peugeot de nuit, on la reconnaît, ben là, ce sera pareil. Les feux, il y a des petits détails à l'intérieur. Ouais, j'aime vraiment bien, c'est bien travaillé, c'est joli. On retrouve également cette partie que l'on retrouvait sur la Mégane E-Tech, la version 100% électrique, qui était une des premières, il me semble, à aborder cette partie, donc avec une couleur différente. Sur la Mégane, on le retrouve en doré et autre. À voir selon ce qui sera ouvert au catalogue, j'ai hâte de savoir si ça, on pourra le personnaliser d'une autre couleur. Pour le moment, on ne sait pas. On a toujours les capteurs ici pour la conduite de niveau 2. Le gros logo Renault, pareil, c'est la première fois qu'il est intégré sur la Clio puisque la Mégane et ensuite le Renault Austral avaient inauguré ce nouveau losange. Et maintenant, il est enfin sur la Clio et petit à petit, ça va se décliner sur toutes les voitures. Normalement, à partir de 2024, il me semble que toute la gamme Renault devra en profiter.
Au niveau de la calandre, ça change également. Donc là, c'est pareil, ça s'affirme. On a deux lignes, mais tout en noir, c'est quasiment presque un black pack avec des petites parties chromées ici qui sont collées sur la calandre pour amener un style un petit peu et élargir cette voiture. Mais en plus, avec cette ligne juste en dessous qui élargit avec ces sortes de deux flèches qui s'évasent, j'aime bien. Ce nouveau style Renault me plaît bien. Le capot, donc quelque chose qui reste assez simple. Hein, donc les lignes qui viennent marquer jusqu'au Renault. Bon, pas de grosse révolution à part ça. Mais ça fait du bien, ça modernise quand même pas mal cette Clio. J'ai hâte de la voir dans d'autres couleurs également, parce que j'avais adoré lorsqu'ils avaient sorti la Clio 4 déjà. Ce rouge flamme, ça allait bien avec la forme de C qu'il y avait. Et je pense qu'avec ça, ça devrait être assez joli également. On retrouve donc capteur ici, caméra là-haut, donc on aura la conduite de niveau 2. On aura des caméras 360 avec des caméras dans les rétroviseurs à l'avant et à l'arrière. La plaque est située assez bas. J'ai pas la garde sol, mais bon, ça reste une Clio, donc normalement c'est censé passer partout. Ce que j'aime bien, c'est que la plaque est positionnée tout en bas ici. C'est plutôt joli qu'en plein milieu du pare-choc. Ça, c'est une bonne chose. Sur les côtés, on retrouve toujours ces entrées d'air là pour les rideaux d'air le long des roues. Ça joue également sur l'aérodynamique pour gagner quelques petits grammes de CO2. Il me semble que l'homologation, ils sont aux alentours de 93 grammes. Alors, sur le côté, hein, pas de changement particulier. Alors, on a cette nouvelle bande ici sur le bas qui est couleur de la flèche qu'on a à l'avant et également aux couleurs de l'emblème ici, Esprit Alpine. Puisque oui, donc on a la version Esprit Alpine. Donc, on trouvera des seuils de porte où c'est écrit carrément Alpine. C'est même plus écrit Esprit Alpine. Donc, peut-être que les personnes qui ont des Alpines se disent « Oh ouais, mais pourquoi sur une Renault ?» Bon, avant c'était Renault Sport, mais ça, on le sait, c'est déjà fini depuis quelques temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces nouvelles roues, ces nouvelles jantes en 17 pouces. 17 pouces sera la taille la plus grande de jante pour cette voiture. Alors c'est bien que ce ne soit pas allé trop loin, parce que maintenant, on monte jusqu'à du 23 pouces sur des voitures. C'est assez extraordinaire, mais 17 pouces, ça remplit bien cette arche de roue. Mais ce que j'adore, c'est cette jante avec juste la petite chose qui fait le détail, c'est ce petit logo au milieu, donc cette nouvelle identité, avec le bleu, cerclé de bleu. Alors là, ça bouge un petit peu parce que c'est sûrement des pré-séries, mais franchement, je les trouve vraiment jolies. On a un diamantage sur le côté, la quai noire, des freins à disque à l'avant et à l'arrière sur cette auto, et ensuite sur le côté, pas de grosse révolution. Toujours la poignée intégrée dans la vitre sur la partie haute, hop, on referme bien, et la poignée type frigo juste à l'avant, donc ce qui donne un petit peu cet esprit coupé. Alors, c'est bien qu'ils fassent des esprits alpines, mais est-ce qu'ils referont une... Parce qu'on ne peut plus dire maintenant Clio RS, mais est-ce qu'il y aura une... Pas une esprit alpine, est-ce qu'il y aura une Clio alpine par hasard? Ah, ça, ce serait bien, parce que Renault Sport faisait quand même des véhicules très très sympas. Renault, si vous m'écoutez, sortez-moi ça s'il vous plaît. Sur l'arrière, on a ces nouveaux feux. On garde une forme de C ici, qu'on retrouvait un petit peu à l'avant-avant, ce C, mais on retrouve également maintenant sur l'Austral ce C de cette façon. Un feu assez travaillé, full LED bien entendu. Ah non, je vois une ampoule. Ils n'ont pas osé mettre une ampoule. Une ampoule pour le clignotant. Ça, c'est dommage de ne pas l'avoir mis jusqu'au bout, poussé jusqu'au bout le full LED. Des feux assez travaillés sinon. Le côté cristal est joli, ça marche bien avec cette couleur. Peut-être même s'ils avaient été un petit peu teinté, un petit peu foncé, ça aurait été vraiment très sympa avec le contraste entre la voiture et les feux. Après, ils sont noirs à l'intérieur, ce qui amène un petit côté un petit peu plus sportif. Sur l'arrière, donc le reste ne change pas, juste également ce nouveau logo ici, avec la caméra qui est intégrée toujours dedans, et également le Clio qui passe en noir sur cette version Esprit Alpine. Tout le reste est peint, jusqu'en bas, ce petit diffuseur ici assez joli avec les capteurs de recul, et on retrouve un petit peu le design qu'on retrouve à l'avant sur des fausses extractions d'air ici sur l'arrière. Après, à l'intérieur, donc, on ouvre le coffre juste au-dessus de la plaque ici, qui se déverrouille électriquement. Et ensuite, au niveau du volume de coffre, on a exactement le même volume de coffre qu'avant, 391 litres, ce qui donne un volume de 1 Nico sans problème. Ça rentre. Et un volume de 301 litres dans la version hybride. Et là, aujourd'hui, je suis dans la version hybride, donc il y a un petit peu moins de volume, quasiment 90 litres. Ça fait quand même la différence. L'avantage, c'est qu'il est assez profond, donc comme vous pouvez voir, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, juste avec madame, ça devrait faire l'affaire. Et comme elle est équipée de la Sono Bose, on a un
haut-parleur ici, donc pour les basses, intégré dans la partie de gauche. Bon alors, les places arrière, je vous le montre quand même s'il n'y a pas forcément d'évolution, mis à part cette nouvelle banquette et cet intérieur esprit alpine. Donc quand je rentre, portière à l'arrière, entièrement en plastique, plastique dur partout, bon, vraiment quelque chose de très simple, hein, on reste dans une Clio. Hop, quand je m'installe, je relève mon petit appui-tête avec quelques petites surpiqûres bleues. On en retrouve aussi au final un petit peu au niveau des sièges ici. Également là, et surtout sur les ceintures, ce que j'aime bien, c'est que les ceintures, un petit peu comme les Mégane RS avaient les lignes rouges sur les côtés, on retrouve du bleu. Alors ça, c'est le petit détail, chez certaines marques comme Ferrari par exemple, ça peut coûter 2000 euros. Bon, au niveau de l'assise, alors moi je fais 1m80, j'ai de la place au niveau de la tête, et on a également ce nouveau ciel là, ici, totalement différent, qui ressemble un petit peu à du jean, un jean un petit peu gris. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien que ça change. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas noir, donc ça amène un tout petit peu de luminosité supplémentaire. Le siège à l'avant est réglé pour moi, il me reste encore de l'espace au niveau des genoux, c'est un peu creusé. On a deux pochettes ici, pareil, on n'a plus de cuir à l'intérieur, c'est soit du matériel recyclé. Sur les versions techno, on a 67% d'intérieur recyclé sur les sièges, qui s'appelle du Tencel. Également, on a du TEP. Là, pareil, plus de cuir. La sensation est différente au cuir. C'est pas pareil, il n'y a plus l'odeur du cuir. Mais au toucher au début, il faut s'y faire parce que c'est un petit peu différent. Sinon, le dossier, je suis bien, il est un petit peu creusé. Le fait que ça remonte ici sur les côtés, ça fait que je suis plutôt bien maintenu. À voir ce que ça donnera en dynamique, mais pourquoi pas si à l'arrière, on se prend quand même avec un petit esprit alpine. On a pas d'accoudoir ici. Voilà, quelque chose d'assez simple. Un gros tunnel central, donc à enjamber avec des grosses chaussures. Alors, attention, hop, la place du milieu. Par contre, la place du milieu est hyper confort. Même le dossier, oh la vache, le fait qu'il n'y ait pas d'accoudoir, ça rend cette place beaucoup plus confortable pour le dos. Je suis très bien installé. Alors, au niveau des pieds, j'ai mes pieds qui vont toucher les rails juste ici. Et le tunnel central fera que si je mets mes pieds dessus, là, je suis un petit peu haut. Mais sinon, ma tête ne touche pas. Je suis plutôt bien. Et franchement, le dossier, là, pas mal. Ouais. Fixation, tap taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et également sur le siège avant passager. La banquette, elle sera bas en 2/3, 1/3. Et est-ce que ça nous fait un plancher plat? C'est un petit peu incliné et après le coffre est positionné un petit peu plus bas. Bon, ça laisse quand même pas mal d'espace à cet endroit-là. Mais on rentrera peut-être pas un vélo. À l'arrière, pas de climatisation, juste une boîte ici qui sert d'accoudoir pour l'avant. Mais j'aime vraiment bien ces sièges-là, la finition est très cool. Allez, je vous emmène maintenant avec moi découvrir l'avant. Et comme je vous disais, donc la poignée ici, hein, sur le haut, toujours cachée. Donc ce qui donne un petit peu cet air de coupé à cette voiture. Bon, en noir, pas de joint chromé ou pas de baguette chromée. C'est noir, c'est simple, efficace. La poignée, quand j'ouvre ma porte, première chose que je vois, moi, c'est ça. Le badge Alpine ici, avec le tapis Alpine sur cette finition. Esprit Alpine, comme je disais, il y a trois finitions sur cette voiture. Au niveau de la portière, tout en plastique, plastique dur partout, sauf ici, on retrouve un petit peu de tissu. Pareil, tissu recyclé. Au niveau de la portière, on retrouve les réglages des rétroviseurs, on peut les rabattre également électriquement. Hello, on m'a vu moi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le coin bombé sur le rétroviseur et les fenêtres ici avec le blocage de fenêtres. Ensuite, les sièges à l'avant. Donc regardez, là par contre, on se retrouve sur un siège qui a vraiment un esprit un petit peu sportif. Hein. Regardez comment c'est rembourré ici, comment ça ressort au niveau du dos. J'aime beaucoup la petite touche du drapeau français. Ah oui, on est chauvin ici. Le A du Alpine et les surpiqûres. Donc sur des appuis-têtes qui ressemblent à ce qu'on a chez Renault d'habitude, mais avec un travail différent, avec ce côté tissu de ce côté-là et imitation cuir de l'autre. Pareil, imitation cuir ici et du tissu au centre. Ça aurait pu être sympa d'avoir peut-être un full imitation cuir partout ou peut-être un full tissu, ouais, je sais pas trop. De ce côté-là, réglage du siège entièrement manuel. Le pédalier ici qui est en aluminium, donc pour amener ce côté un petit peu sportif, et le repose-pied ici en plastique. Alors, ensuite, on a le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Et allez, je vais aller m'installer à l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je me laisse
je me recule à fond. Et par contre, quand je circule à fond, voilà, j'ai vraiment de l'espace ici. Nouvel intérieur également. Donc, l'écran ici qui est disponible en deux tailles, soit en 7 pouces, soit en 10 pouces. Celui-ci qui est disponible soit en 7 pouces, soit en 9,3 pouces. Donc au final, celui-ci sera plus petit sur la diagonale que celui-ci, parce que celui-ci est vraiment tout en longueur. Écran, donc comme on a une version e-tech, donc on aura l'essence ici, on aura la batterie de ce côté-là. Là, on a une boîte automatique, donc les informations de la boîte. Voilà, donc c'est plutôt bien, c'est joli. Il y a la casquette. Alors ça, c'est important parce que de plus en plus de voitures enlèvent la casquette et on a les écrans directement. Et ce que j'aime bien, c'est que là, il est quand même au fond. L'intérieur est plutôt sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le volant, on n'est pas perdu, on est chez Renault, donc le nouveau logo au centre. Sur la gauche, on a toujours le régulateur de vitesse, régulateur adaptatif. Lorsqu'on a les petits traits avec la voiture comme ça, c'est pour régler la distance avec la voiture de devant. Donc, si je veux mettre le régulateur, j'appuie ici. Ensuite, j'appuie sur 7 pour régler ma vitesse. Plus vite, moins vite. Quand je freine, je rappuie sur Rise et il va se remettre à la vitesse. Et là, c'est le limiteur. Je lui dis, je veux me limiter à 70. Et ensuite, la voiture ne dépassera pas les 70 km/h. Sur la droite, ça va être décrocher au téléphone, une commande vocale et naviguer dans les menus qu'il y a là, par exemple, sur la gauche, ici. Donc, on peut voir, je suis en train de faire défiler sur les trajets de la voiture. Donc là, par exemple, elle n'a pas roulé. La vidange, voilà, dans 29 000 km, 30 000 km. Les infos de conso, bon, bah, cette voiture n'a pas roulé, c'est une démo. Voilà. Parce qu'elle n'a pas roulé, on n'a pas toutes les infos juste ici. Le compteur de vitesse, pas de contour, donc toujours une réserve ici. Donc là, par exemple, je suis à 0. Si je freine, ça va aller vers le bas en charge. Si j'accélère, ça va vers le haut. Et si j'appuie à fond, ça va dans la zone power. De ce côté-là, les essuie-glaces, bien sûr, un mode automatique. Et de ce côté-là, les feux avec un mode feu automatique. De ce côté-ci, on pourra avoir le line assist et le centrage de voix, la luminosité de l'écran, la hauteur des feux et le volant chauffant qui est un vrai plus pour moi de nos jours. Au centre, donc cet écran, bien sûr, tactile, une touche home qui revient ici avec des widgets que l'on peut personnaliser, le téléphone, des raccourcis, donc ça on connaît, l'Android Auto et l'Apple CarPlay sur le haut qui sont disponibles directement en sans fil sur toutes les versions à partir de la New Evolution, la Techno et la Esprit Alpine aura forcément donc cet écran qui sera connecté avec votre smartphone. Juste en dessous, touche physique pour siège chauffant conducteur, siège chauffant passager. La touche V si je veux forcer le mode électrique ici. Les MySense pour avoir les trois modes. Donc le MySense, le Sport, le Eco. Donc pareil, qui vont changer un petit peu les couleurs et qui changent également les couleurs du tableau de bord là-bas. Et si je passe en Sport, ça se met en rouge un petit peu. Et pareil, ça aura quelques incidences juste ici sur le répondant de la pédale d'accélérateur. Les warnings. Verrouillage, déverrouillage, le park assist qui est bien pratique, les caméras 360 degrés, donc on peut voir, alors c'est des caméras assez basiques, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, bon, on peut faire mieux par contre de nos jours, hein, parce que les caméras c'est pas ce qui coûte le plus cher. Un peu plus bas, le même bloc de clim que l'on avait avant, prise USB, donc type A ici, l'auxiliaire juste derrière, la prise allume-cigare, toujours le chargeur ici pour le téléphone. Ici, le levier de vitesse, parking, reculer, neutre, drive et le mode B, le mode break tout en bas pour recharger un petit peu plus lorsqu'on est en hybride. Et le mode P tout en haut. Ici, de quoi mettre la clé, donc, et ce sera la carte, hein, comme on connaît chez Renault, ça n'a pas changé. Le frein à main qui est électrique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le auto hold, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de freiner au feu. De ce côté-ci, voilà, double porte-gobelet, qu'on peut refermer, c'est discret. Et de ce côté-ci, un tout petit rangement, enfin, quoique il est assez profond, pas très large, mais plutôt profond, avec cet accoudoir qui avance et qui recule, avec les surpiqûres ici, en bleu, sur cette version Esprit Alpine. Le siège est quand même vraiment un look très sportif, hein. Franchement, ils ont fait quelque chose de bien. Au niveau du tableau de bord, on a du moussé sur toute la partie haute, la Sonobose sur les extrémités. De ce côté-là, ce tissu avec le drapeau bleu, blanc, rouge brodé. Alors ça, c'est des petits détails que j'aime beaucoup. Hop, on ouvre la boîte à gants. Boîte à gants plutôt spacieuse. Elle va bien loin. On pourra mettre deux bouteilles d'1,5 litre ici facilement.
et le petit endroit pour mettre son constat ou son carnet d'entretien. On retrouve ici une LED rouge, donc qui est passée en rouge parce que je suis en mode sport. Si je change de mode, je repasse MySense, il passe en blanc par exemple, et en écho, ça passe en vert. Alors, ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour le voir parce que, enfin, il y a plein d'éclairage, mais on a un tout petit peu d'éclairage et c'est le seul endroit en fait où on aura de l'éclairage LED. Sur le haut, on retrouve un rétroviseur sans bord, ça c'est joli, c'est bien fini. Électrochrome, bien sûr. On retrouve les deux LED que l'on peut activer juste ici et la touche SOS en cas de besoin. Les micros à cet endroit-là pour parler et le petit miroir. Alors par contre, le miroir, lui, n'est pas éclairé. Est-ce que le passager a son miroir ? Il a son miroir également. Les rétroviseurs sont bombés sur les deux côtés. Alors ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ça. Petite custode ici. On a l'air d'avoir une bonne visibilité. Bah, je suis plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous tente de venir vous installer au bord de cette nouvelle Clio ? Bon alors, cette nouvelle Clio en version e-tech, mais cette nouvelle Clio, alors c'est pas une Clio 6, c'est la Clio 5 facelift. Des petites nouveautés à l'arrière ici, sympa, le petit bouclier arrière, le nouveau logo, le fait que ce soit noir, la finition esprit alpine qui arrive dessus. Bon, ben voilà, c'est tout ça, c'est des petits plus. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est ces jantes sur les côtés. C'est le truc que je trouve sublime. Ça lui va super bien, en fait. On dirait vraiment une version un peu sportive, comme on aurait pu avoir la RS avant. L'avant, très joli aussi. J'aime bien cette finition en losange. Ça amène vraiment une touche de modernité à cette voiture. Parce que c'est vrai que bah, la Clio, on la voyait quand même depuis quelques années. Et comme on en voit vraiment beaucoup, en fait, on s'y habitue vite. Et là, bah, ça préfigure un petit peu le style qui va sortir sur le futur Grand Scénic. Ça, normalement, je crois que c'est pour l'année prochaine. La future R5 également, où il y aura un petit peu ça. C'était la R5, je crois, qui était une des premières aussi à montrer un petit peu ses formes, surtout le Grand Scénic, et voir ce que ça donnera lorsqu'on les verra sur la route. Mais je pense qu'il va encore y en avoir beaucoup. Hein. Comme on disait, plus de 5,8 millions vendus en France de Clio. Bon, bah, ça restera toujours un succès parce que c'est la petite voiture qui va bien, quoi. Hâte de connaître les tarifs. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours tous les choix de motorisation. Et en fait, on aura le choix entre 9 versions ou 5 moteurs. Bon. GPL en plus, ça c'est un vrai plus. Je me pose une question, pourquoi il n'y a pas plus d'éthanol ? Parce que l'éthanol aussi, c'est une bonne solution. Ça coûte moins cher et à ce qui paraît, c'est moins polluant que le pétrole. Donc pourquoi pas ? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, des petits pouces bleus comme ça. Je compte sur vous pour partager la vidéo, vous abonner, parce que le but, c'est d'arriver à 100 000 maintenant. On y est bientôt, j'espère. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. N'hésitez pas.